Salut à toutes et à tous, les petits amigos. On se retrouve sur Deadside, deuxième épisode en coop avec Jay, le Kikou Fryer. On va faire une mission. On va faire une mission facile parce qu'on a des snipes et on a besoin de thunes. Et le problème, c'est qu'il y a deux mecs assez bien stuff dans le secteur et je pense qu'on peut les recroiser assez rapidement. Mais on s'en fout. Donc, Jay, on est parti sur. À côté de Balota. Ok. C'est toi qui as mis un autre marqueur sur la carte? Ah, pas du tout. Alors, attends. Ah non 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 Merde. non 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 non, erreur, c'est moi. Très bien. Ok, bah écoute, 1 km droit devant, on va essayer. Je pars avec un petit pistolet. Bon bah de toute façon les AI là on peut compter qu'il y en aura peut-être, je sais pas, entre 6 et 8, 9. Bah, dis donc, si on arrive à engager à Ah distance, bah qu'on arrive à voir. ouais. Bon Là, attends, y en honnêtement. a qui tirent bien. Ah, il y en a qui tirent bien, il va falloir regarder tous ceux qui ont des armes d'épaule, Ouais, puis il va genre falloir surtout. automatique et lunettes et tout le Va bordel, tout ce qu'ils surtout peuvent vous faire falloir chier. regarder dans notre dos. On est sorti de la safe hein, là. Ouais. Et ben ça se tente, en avant les aventures. Bon attends, on va essayer de les rester en ligne de crête peut-être. Ben, je dirais que tant que ça monte, Ouais. c'est pas mal. Je regarde si personne nous espionne. Ah oui! Ouh! Bah, visu sur objectif, hein. Eh ben écoute, 400 mètres, je regarde. Ah ouais, non, mais par contre, mon viseur, il est nul à chier total. Ouais, il faudrait estimer la distance de. 400 Ah. mètres, 410 mètres. Ouais, non, non, mais c'est surtout la distance d'engagement, parce que là, on va pas se mentir avec. Ouais, de toute façon, tu sais quoi, à mon avis, il faut qu'on aille sur la colline à droite. Dans les bois là-bas? Oh ouais, je pense que c'est là où on serait le plus près. Parce que là, s'ils nous voient, ils vont nous tirer direct. Hein. Et il y en a qui tirent. Et là, on peut Ouais. pas se coucher et on n'a pas de rocher pour se mettre à l'abri. Le positif ici, c'est qu'il y avait. On pourrait peut-être avoir la rue en enfilade aussi, ça peut être vraiment bien. Ouais, mais bon. Après, normalement, les mecs, bon, il y en a, c'est des buses. Il y en a, c'est des fins tireurs. Par contre, ils ont tendance à venir sur toi. Hein, dès que t'as engagé. Ah, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, mais c'est après, c'est l'idéal. Hein. Parce que si t'arrives à entrer dans une cabane, oh bah, tu les Là, attends, là, quoi. là, là, là. Là, 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 là. Prudence. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a trop de merde sur la route là. Ouais, bah laisse tomber, j'en ai deux sur la route. 3, 4. Ah ouais, vu. Bon, on Ouais. va faire un tir Non, coordonné. non, non, pas tout de suite, on n'a pas d'abri là. Faut qu'on puisse se mettre des arbres ou un truc comme ça, parce que là, sinon, on va se faire défoncer, man. Là, 5. si ils te voient, t'es mort. À cette distance, ils vont pas te louper. Hein. Tu crois? Putain, Ah quand même, il y a oui. 100 mètres. Ils ont l'air d'être cons, comme des Ouais, bites. mais jusqu'au moment où ils se mettent à tirer, ces connards. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que. Si on réduit la distance, ils vont nous foncer dessus. Puis on a. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le matériel pour tenir. Bah moi j'ai un petit pistolet, ça peut suffire. Au pistolet, il leur faut pas bien moins de 4 balles hein, pour les tuer. Ouais, je suis pas mal en pistolet là. Tu vois, j'ai quand même de la mune. Je vais recharger par acquis de conscience d'ailleurs. Après on peut essayer un petit tir croisé. Hein. Ben, c'est ça le truc, tu vois. À distance, tu vois, si j'ai la rue en enfilade, là, je peux faire mal, je pense. Toi t'es où t'es là? Ouais, il Ouais non faudrait mais qu'ils aient. on a plus de visu là. De là où t'es? Ouais. Faut que je C'est pas. m'avance. Ouais, ou alors essaie de monter un petit peu dans la Ouais, colline, mais je pas vais trop non essayer de plus. monter, ouais. Il faudrait que je puisse t'avoir en visu pour couvrir ta retraite, tu vois. Bah là, c'est bien, là, franchement. Là où je suis, moi, Ouais, tu vois, je vais. Regarde. sauf que là, je les vois plus, ces connards. Non, non, t'inquiète, attends. Ouais, exact. Je vais me positionner cool, tranquille. Tu vois, moi, je peux backpedaler et me retrouver. Là, je suis à découvert, c'est vrai, mais si je backpedaler, je suis hors de vue. Ah ouais, là, j'ai du monde sur la rue, là. Moi, j'ai des arbres. C'est bon pour toi? T'as du Non, visu? non, non, j'ai aucun visu. Faut que j'avance encore un peu sur la gauche. La droite, pardon. Bon, ça va, on n'est pas dans Hunt, ils nous entendent pas, heureusement. Ah, mais ils sont où ces connards? Ah, j'en vois T'en vois un? un. Ouais, j'en vois un qui avance devant la grange rouge. Ok, ouais. Moi j'en ai un qui est au milieu de la route là. Là je peux engager EZ. T'es prêt? Non, j'ai perdu son visu à ce connard. Sur la route là, t'as le visu sur la route ou pas? J'ai le visu sur le petit carrefour. Tu vois la grange qui est au petit carrefour? Oui, je pense, ouais. Il y a un mec qui arrive. Là, je le vois. Ok. Lui, je peux l'engager aussi avec un béret rouge. Ah, oh, je vois pas ces détails moi de loin. Ok.
Au pire, engage. Hein. Attends, je vais attendre d'avoir un bon visu quand il va arriver vers le petit carrefour, là, vers la branche du thé, là. Mais je sais pas ce qu'ils foutent, ils avancent plus, après je les vois plus, là. Je crois qu'ils m'ont vu. Non, il y en a un qui se barre. Ils font quoi? Ils s'arrêtent ou... Ah ouais, il repart. Oh! Alors lui, je vais essayer de le... Celui qui est immobile, là? Je l'ai touché, il est mort. Un d'armes, ouais. Maintenant, merde. Maintenant, ça va mal délirer. C'est parti! Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est bon, déjà. Allez, un autre de moi. Il y en a un qui rush, il y en a un qui rush dans ouais, la colline. Vu. Occupe-toi de tout ce qui est à courte portée. Il y en a un qui me fonce dessus, là. Ouais, je le vois, lui. Oh, traité. Oh, ouais, putain, traité. Il a pris sa balle. Good. Fais gaffe, parce qu'il y en a un qui est monté dans les bois. Et j'ai perdu le visuel, en plus. Il y en a un qui est parti complètement en face de toi, tu vois, de l'autre ouais. côté du village. Ah ouais. Donc, il y en a un là-bas, je le vois courir dans les bois. Ça rentre en rush dans le village, là. Je vais passer au pistolet. Ok, j'en ai un qui redescend dans le village, il y en a un qui me court. Qui oh, me attends, il y en a un sur la prairie, côté gauche de la route. Il a pris une balle. Ouais. Il en a pris une deuxième. Aïe! Il est mort. Il y en a un troisième au milieu de la route, au loin. Ah ah! Ah, traité! Ouh! Alors, je suis tombé à 38% PV, je me backpad. Ah ouais, soigne. Soigne, il faut. Moi, même à 76, je suis trop bas. Si je prends une balle, je peux me faire shoot direct. Problème. Comment ça marche ça? Ah bah comme ça. On en a tué quoi? 3? Oula, plus que ça. Oh, je sais pas. Ah bah je te le dis. D'accord. Alors attends, j'en ai un dans le champ là-bas. Au but 2. Où? De l'autre côté de la du village en gros. D'accord. Oh, la balle passe au-dessus de sa tête. Là encore au-dessus de sa tête. Pas de visu. Raté. J'en vois je pense un. Là, il... T'es un il y en a un qui passe derrière la grange à gauche. Il court en direction toi. Tu vas l'avoir bientôt derrière la grange. Il va vers la route. 15 mètres derrière. Ouais. Attends, il y en a un qui est en cible facile là. Et putain, j'en envoie. Traité. Un traité. Il y en a encore deux qui courent. Je recharge. Ouais. Là, j'ai cramé de la mune. Oh putain, mais moi c'est pareil. J'ai plus de balles. Je suis con. Moi. Là, il me reste 5 cartouches en réserve et 4 dans l'arme. Ouais, moi c'est pareil. Bah, ok, après... y en a deux qui courent dans le ouais, champ. Ouais, là-bas y en a un derrière. Qui revient. Y en a un autre dans le village, près d'un camion à l'autre bout du village. Il y a encore. Putain, y a vraiment du monde. Écoute, je me rappelle. Oh oh oh. Sur quoi ça tire, putain? Ah, j'en vois un petit malin. Ah oh. Il bouge pile au mauvais moment. Putain. Il y en a un qui monte à l'oreille du bois. Oh oui putain je vois oui. Oh là là ça rush, ça te rush. Moi? Il y en a deux qui sont ah ouais à la lisière de la forêt. Oh putain oui, il y en a un derrière le tas de bois de la grange. Oui je le vois. J'en ai shoot un sur la route. Ouais ouais mais fais attends gaffe, y en a deux dans les bois. Il te rush. Ils sont même pas à 20 mètres là. Je les attends. Ouais, vas-y, tu le vois. Un mort. Y'en a un encore plus bas. Y'en a un, je le vois. Oh là là, moi aussi, je le vois. Il est traité. Good. 62 vies. Ok. Alors, oh, sur la route, sur la route. 3, oh patrouille. Je recharge. Oui, je vois. Oh putain, mais là, c'est pas la peine. On les aura pas, ceux-là. J'ai raté. Putain. Raté encore. Non, mais là, c'est pas possible. J'en ai eu un, mais, il y en a un qui en a après moi. Oh là là, mais c'est vraiment dingue. Un traité. Oh putain. Je recharge, il faut que je recharge, je suis à sec. Dernier chargeur. Ah non, dernière balle tout court quoi. Ouais, moi c'est pareil, là va falloir passer au cac. Hein. Merde, putain, c'est pas vrai. Belle. Ah oh bah je l'ai vu s'envoler. Ouais, faut qu'on aille looter des balles là. Ah non mais là c'est ce que je fais, là je rush. Là je rush le tas de merde là. Bah, attention hein, il en reste encore plein au village. Ah ouais mais...
Oh putain, lui il a du Makarov, il m'emmerde. 5,56, parfait. 11, allez hop. Où sont mes chiffons là? Allez, il n'y en a pas un qui aurait du snipe. Non mais ça je m'en fous de ça. Ouais, j'allais dire il y en a pas un qui aurait de la calache. Alors là ici j'ai quoi? Il y a de l'argent. Ouais, prends la thune. Hein. Ah ouais, et du 12-70 avec un calibre 12. Allez hop, ça c'est bon ça. Ça c'est good. Je vais me mettre dans l'abri dans une grange, je vais me soigner. Ouais, 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 bah grange fer là. La première c'est avec les rondelles. Celle où il y a tous les cadavres. Je vérifie qu'il n'y a pas un connard dedans. Oh, il y a un Mozid. Oh, bien joué. Ouais, c'était un joueur ça, c'est pas possible autrement, il a un sac à dos improvisé. Sérieux? Ouais. Ah, et d'habitude ils ont pas des sacs à dos. Hein. T'es où Fredo? Je te vois pas. Je suis sur la route là. Y a un gilet de chasseur si tu le veux. Oh putain! Ah non, mais attends, lui il a carrément un blouson de chasseur, le mec il est full camo. Quoi. Ah ouais. 12,70. On n'a pas d'autres munes là? C'est tout ce qu'il y a? Ah, pour le moment c'est pas porteur. Hein. Putain, mais il doit en rester d'autres, c'est sûr. Bon, bah bien sûr qu'il en reste d'autres. T'as fait les mecs du bord de la route là? Ah, il y en a pas mal que j'ai fait, ouais. Essaye de checker rapido, mais. TTK, bah moi je prends du rags. Hein. Ah, j'ai oublié. Je t'en donnerai, j'en ai là plein, là. Mais je préfère en avoir parce que. Je ne sais jamais prendre ces putains de rags. Ah, surtout au début, là, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'il a, lui? T'as une lunette? Oui, t'as une lunette. Ouais, ouais, ouais. Ok. La hunting scope. Ah, des balles. Un soda. C'est toi qui cours à côté de moi, là? Je cours autour. Oui. Ok. Alors, j'essaie de. Je vais me prendre un cadavre n'importe lequel pour aller faire des. Ouais, ouais, ouais. Raté. Tiens, bah, viens voir, Jay. T'attends. Il y a un cadavre ici, je sais même pas si je l'ai looté. Prends sa lunette, bah, ou sinon je la prends, sa lunette. Oh, attention, ça arrive en face. Village. J'arrive. Ouais, ouais, pas de problème. Je ramasse des frusques, tu sais, pour me préparer les. Et si les je prenais mon Mosin? Je recharge. Quoi, on peut pas lui mettre la lunette au Mosin? Ça, c'est bon. C'est pas grave. Le 12. Je vais au cac, hein. Avec le attends. Ils sont vers la baraque. Laquelle, la première là? Ouais, il avançait dans notre direction. Le petit fourbe. Tiens, c'est des caisses comme ça là, je te parlais, les caisses vertes. À peu près comme ça. Celle recouverte par des draps? Non, tu vois celle-là là. Un peu ce genre là quoi. Ah ouais, d'accord, oui, des caisses de mun quoi. Ouais. Bon alors attention par contre, maintenant ça peut commencer d'arriver partout et le problème c'est que moi j'ai un fusil à lunettes. Et si ça arrive de partout avec un fusil à lunettes, je vais t'emmerder. De toute façon, normalement quand on aura fini la mission, on aura un petit message en haut. Vas-y, je rush. Oh putain, il y a plein de caisses ici. Je peux les looter? Ouais, bah fais attention à ta ganache. Verrouillé, comment ça verrouillé? Oh l'enculé! On a pas les clés. Oh non! Alors attends, je suis entre les rondins de bois. Rah, je suis sûr qu'il y a des cadavres dans l'herbe au-dessus là, mais. Bon, je confirme, il y avait un mec, hein, de toute façon. Donc il a pu rentrer dans le bâtiment en face de toi, ou il peut être autour. Et avec les coups de feu qu'on a tirés, on aurait bien pu attirer aussi les deux oiseaux du trader. Si ça, c'est clair. Si ça se trouve, comme d'hab, ils vont nous laisser faire le taft. Hein. Je suis rentré dans la baraque, celle-ci a l'air claire. La première? Ouais, je te vois. Après, c'est une passoire. De toute façon, il y avait un mec, hein, confirmé, vu. Hein. Un piéton. Ouais, mais. Et je pense pas qu'ils aient tendance à dépop. Qu'est-ce que je fais? Je rentre proche avec toi ou je reste en cover? Tu peux rester en cover un peu au-dessus dans la forêt, histoire de. Non, je vais passer sur les rondins en face là. Ça peut être une idée, ouais. Comme ça, j'aurai à peu près le bled en enfilade. Ouais. C'est quoi ce bruit? Quoi donc?
Bon, j'entends que les oiseaux qui chantent là. Non, 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 il y a un bruit de moteur, on dirait. C'est quoi ce truc ? Ok, là c'est bien parce que j'ai une bonne cachette là-dedans. Là, je serais plutôt à l'abri si jamais ça part en couille. Vu ! En face de moi. C'est lui qui tire là ? Ouais, et bien entendu, j'ai pas rechargé. Oh putain, j'ai encore pas rechargé. Ouf ! Ah oh bah je pense qu'il est mort, j'ai gagné des succès, je sais pas quoi. Mission facile accomplie, c'est bon. Eh hey, la caisse, c'est la mission. Sérieux? Bah je sais pas, attends, on va regarder. Attends, bah on va y aller direct. Ouais, mais attends, on va se méfier. Oui. Elle est cochée, elle a un logo dessus. Ouais, exact. Énorme. Ouais, mais prudence. C'est là que les mecs nous tuent. Alors, il y a plein de munes de 45, il y a du soin, il y a des vêtements blouson Gorka. Bah, tu vas avoir ton blouson Gorka. Ouais, sinon, on vend tout. Il y a des médicaments et il y a 6900 balles. Alors, comment on fait pour... Voilà, diviser. Alors, attends, diviser la tunasse. Alors, blouson Gorka, ouais, ça sera mieux que mon blouson de jogging, déjà. Ah, on peut pas diviser? Si, tu cliques droit dessus. Ouais, mais ça l'a pas fait dans le truc. Bah, alors, il faut que je le prenne dans mon... 3500... Non mais attends, putain, divisé, voilà, laisse-moi jouer au jeu s'il te plaît, 3500. Voilà, là je fais ok, divisé, voilà merci, là, y en a combien, là je le remets 40. Dans le truc. Ah je peux pas l'y remettre? Bon c'est pas grave. Bah c'est pas grave, prends, de toute façon on se démerdera plus tard. Ouais vas-y, on pouille deux parce que si, là on est à découvert, voilà. On va se faire dézinguer. Ok, attends on va aller faire du cadavre un peu. Ouais alors, franchement je suis tonné là, tu sais. Cherche tout ce qui est viseur. Avec... Oh, putain. Derrière. Tabernacle. Forêt derrière. Ah, j'ai pris du plomb. J'ai pris du plomb grave, 22 PV. Oui, laisse t'enculer. Ah, je sais pas, mais là j'ai pris cher. Dead. Non, pas dead. Ah, mais c'est des militaires. Allez, recharge. Comment il pouvait y avoir qu'une carte? Deux morts. Temporise. Ils sont morts les deux? Deux. Ouais bah tu sais, con comme ils sont, ils viennent me rush. Putain, j'aurais pu t'aider mais d'une attention, manière... Attention, hein, s'il y en a deux, il peut bien y en avoir d'autres. Les petits fourbados là. Alors qu'est-ce qu'ils ont eux? Oh, je sais pas mais j'étais pas prêt. Ils ont des bonnets, ils ont des casques, ils ont des jolis blousons gorques. Oh, il a des clés lui. Des clés? Ouais. T'avais pas trouvé une caisse qui était fermée à clé toi tout à l'heure? Bah c'est celle qu'on a lootée. Tiens d'ailleurs, voilà, regarde. Ici, il y a un full Gorka Kalash. Ouais, j'ai une Kalash aussi. 5,45 par 39, très bien. Allez hop. Bon bah écoute, lise les dash. Le problème, c'est que je suis obligé de jeter mon Mosin. Ça m'ennuie un peu. Ouais bah écoute, moi je jette le truc sans pitié. Mais comment je fais pour... Bah sûrement comme ça. Équipé, j'ai un sac à dos. Est-ce qu'il y a le chargeur qui va avec? Les chargeurs sont automatiquement... Oui d'accord, j'ai compris. J'ai ma réponse. D'accord. J'ai pas rangé mon argent tout à l'heure, crois-le ou non. Ah ouais. Ah ouais, j'ai 14 000 balles sur moi. D'accord. Ouais mais moi je crois j'ai 741. C'est pas violent mais bon. Je jette mon autre Gorka pour prendre le sien parce que putain il a l'air d'être vachement. Pourquoi il veut pas aller dans l'inventaire? C'est quoi ce couille? Tiens, mets un bonnet par-dessus toi. Ah moi j'ai un joli stuff là. Ah pareil. Alors par contre le truc qui est bien naze c'est que les mecs ils ont visuellement ils ont des casques mais en fait ils ont des bonnets quoi. Ah non lui il a un casque. Alléluia. Je mets un casque. Les casques ça se vend cher. Hein. Ah ouais? Ouais. Voilà, je peux te dire que là j'ai fait du rax. J'ai un pompe. C'est dommage pour le fusil là que je puisse pas le prendre, mais là en même temps là, je peux pas quoi. Entre la AKS et le 12, honnêtement, la capacité de... Là j'ai deux cadavres avec quelques gants. Non, ils ont plus grand chose sur eux. Ah, c'est pour ça que là ça pétaradait comme jaja là. Ah, je me disais, mais attends, mais ça c'est de la calache quoi. Je me suis dit, putain, je suis pas fou quoi. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Il y aurait pas une scie? Qu'est-ce que c'est que ça? Du câble. Je m'en fous. Je prends, on vendra. On a besoin d'argent. T'as vu, j'ai de la gueule là. Tu l'as looté lui, ce clodo là? Non. Ah mais c'est, oui, c'est coup de shotgun et on va l'appeler comme ça lui. Ouais voilà. Ouais c'est... Cogno. Tiens regarde ça. Ça s'ouvre. Hey,
Ça se loot. Vas-y, fais voir, y'a quoi? Non, j'arrive pas. Ah non, c'est fermé, t'as raison. Bah les clés que t'as gagnées, c'était pas pour ouvrir et ça. Eh ben... Où elles sont? Elles sont là. Bah non, ah. Non, non, c'est pas pour ça. De l'huile moteur, bon, j'espérais mieux, mais... Après, les clés, je sais que qu'il y a un bunker melee. Et le bunker melee, il y a besoin de clés pour ouvrir certains trucs. C'est peut-être ça. Peut-être. Et peut-être que ça a une valeur aussi énorme, genre... Ah ouais, mais si ça nous ouvre... Ouais, après, pour le moment, on n'est pas encore équipé pour aller faire du bunker melee, mais bon. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de... Non, mais par contre, là, pour le moment, on a des jolis sacs à dos, on a un bon équipement melee. Non, mais là, on est bien, là. Non, mais là, là putain... Oh là là, Fred, là, non, mais là, c'est... Eh oh. Là, t'es prêt pour envahir la Pologne. Ah bah, mais là, pour là, 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 on est mûr, là. Mais c'est vrai mais que le snipe plus ça, c'est bon, hein. Tranquille. Ah non, mais là... La Fred, tu es de retour d'Ukraine, là. Ah bah, vois. là, c'est Ukraine. Eh bah, écoute, c'est quoi let's go trader, je dirais, non. Bah, franchement, oui, sauf que je vois. Ah, pas... Enfin, il faut. Attends, comment je te donne de l'argent? Ouais, on le mettra dans le coffre, on s'en fout. Attends, je vais faire un truc, bouge oui, pas. Oui, non, mais le problème, c'est que si je me fais buter et qu'il y a impossibilité de retrouver mon corps. Ah, si, ton corps, tu vas le retrouver, mais le mec, s'il te bute, il va te looter. Hein. Bah, c'est ça. Bah, ton corps, tu sais, t'auras la tête de mort sur. Y a ta tunasse dedans, alors si je fais sol. Oui, non, mais... voilà, c'est par terre, c'est bon. Non, mais sinon, tu la mets au vestiaire, sinon. Combien j'ai là? Là, on est à la tête de 5000. 5000, il nous faut encore 95 000. Tout va bien. J'ai 11 000 sur moi là. J'ai ah ouais pas fortune. Ouais, okay. Ouais, comme un con. Allez, viens, on trace, on remonte là-haut. À découvert, on s'en balèque. Bon, bah, je l'ai fait à l'aller sans savoir que j'avais 14 000 balles sur moi ou 10 000, je sais plus combien j'ai. Non, 7 000, j'avais au départ 7 000. Par contre, là, on va être bien à découvert là. Ouais. Putain. Prochaine mission, ouais, ça pourrait être sympa. Il y en a encore une autre à Krasnoé là-bas en dessous. Eh ben, ça tombe bien. Faut qu'on aille débarrasser ceux dont on n'a pas besoin. Faut garder le minimum d'armement parce qu'on en prend sur eux. Par contre, ouais, mais alors par contre, sur l'arme principale, surtout le sniper. Bah après. Non, là, j'ai pas kiffé, hein, je vais te dire honnêtement. Ah ouais ah ben, tout ce que j'ai tiré après derrière me ramasser 11 munes, ouais, c'était moyen. Ah bah ça, par contre, oui, oui. La rentabilité. Bah, c'est-à-dire qu'ils avaient pas le même armement que nous, c'est con là. Mais bon, l'avantage sur terrain découvert comme ça, c'est que là, pour snipe, tu t'amuses. Alors disons qu'on a pu un peu les attirer au tir à plat, là. Ah bah ouais, on les a mis... Attends, je vais faire un truc. Bon, par contre, on part un peu en décalé, là. J'avais des jumelles pendant un temps, moi. Elles sont où? Je les ai perdues. Ah, t'as pris la grosse version, là, non? Non, mais j'avais des jumelles de vue, t'as. Mais ah. Je les retrouve plus, je sais pas où elles sont. Il y a deux bases. Oh, ouais, il y a deux bases. On va passer entre deux bases, là. Vas-y, on passe en dessous. Voie ferrée. Danger, voie ferrée. Attends, là je suis en tir auto ou en tir... Ouais, je vais passer en tir balle à balle, je préfère, j'ai pas beaucoup de balles. Ouais, je vais faire la même. Alors le mode de tir, je crois que c'est X, voilà, très bien. Ouais, moi je l'ai changé. Je mets sur tous les jeux, je mets pareil maintenant pour pas me perdre. Bon, pour le moment, ça va. Parce qu'on a croisé que des bots. Et peut-être l'autre tout à l'heure qui avait son sac à dos, je sais pas si c'était un bot ou pas un bot. C'est bizarre. Bon, après peut-être qu'il y a des bots qui sont clodo et qui ont des sacs à dos improvisés. Bah j'ai envie de dire s'ils ont des sacs à dos militaires comme ça, ils peuvent avoir un truc un peu tout pourri pour certains d'entre eux. Pourquoi pas? D'ailleurs moi j'avais looté un casque noir et maintenant il est vert. C'est bien, il s'adapte. C'est les casques caméléons en fait. Alors le truc qui est dommage, ouais, c'est que pour le moment il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de conneries comme ça. Alors j'ai vu dans le dernier dev blog qu'ils allaient faire des récupérateurs d'eau. Tu pourras crafter, t'es pour mettre dans ta base pour avoir de la flotte. Quoi. Parce que sinon t'es obligé de looter ou d'acheter à chaque fois. Ouais, et c'est chiant. Alors bien sûr, il y a des patrouilles hein, qui se baladent sur les routes. Forcément. Bah, les patrouilles à la limite c'est pas très grave parce que moi ils sont trois, tu vois, on en vient à bout. Ouais, ça dépend, des fois ils sont plus nombreux. Hein. Non, le truc c'est qu'il faut pas se faire surprendre quoi. Ah bah tiens, oh ouais, il y a du client. Oh, oh non, mais le style est inégalable. Non, ah, mais attends, ils sont tous des alt. Non, mais là c'est dans Daisy quoi. Ça se passe. Qui c'est qui met des balles par terre? Yo. Hey, je peux vendre la pelle à ce mec là? Ouais, bah écoute. Clac. Allez hop, 100 balles de plus. Est-ce que je lui vends la calache, moi? Vendre, combien? Eh, la calache, elle vaut 6000. Je la vends direct. Ah ouais? Ça, c'est... Ouais.
5,56, c'est ça, c'est... Est-ce que tu as besoin de 5,52, Ah 5,45? ben, 5,45 par 39, carrément. Bon, alors écoute, je te file du 5,45. Je te filerai du 5,45. Hello guys, how are you? Fine? Not bad. How are you doing, bro? Oh, you feel fine? It's okay for you? Yeah, I'm good, man. I'm good. I'm Okay, good. have a nice day. See you later. Ouais, ça coûte cher. Putain, une AKSU, ça s'achète 20 000 balles. Ouais, mais ça se vend. Ouais. Snowy. Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Mais ils vont me lâcher, eux, non? En vrai, j'ai pas grand-chose à vendre. Je... Putain, 5 000 balles le gilet police. Oh là là. 9 par 18. Et puis je te dis, le problème des balles, c'est que quand t'as pas des stacks complets, ça se vend pas. Ah, moi, de toute façon, je veux pas les vendre. Ça, c'est clair et net. Je suis catégorique. Écoute, le Gorka, je vais peut-être le stocker. Les balles de 12, j'en ai It's a pas proper besoin. sausage fest in here, boys, isn't it? Les clés, je vais les stocker. Absolute sausage fest. Qu'est-ce qu'il dit? Oh shit, Bad Hat Harry, we had a bit of a skirmish, you know. D'accord. Bon, lui, il veut Ah, pas m'acheter ça. His friend took the Mitch backpack. Oh, ça vaut 1000. Eh, hey, une Gorka, ça vaut 1000. Hein. Ouais, mais je préfère la garder. Question de style, Non, non, c'est mais trop moi, drôle. j'en ai 3 sur moi, des Gorkas. Ah ouais, carrément. Et ouais, j'ai tout pris, moi. Hein. Je leur ai rien laissé, les coyotes. Hein. Je me suis mis un coup de rags là pour me remonter les PV Je encore. sais pas ce qu'ils attendent, ces coyotes, mais faut pas tomber sur eux dans la forêt, quoi. Comment il a fait pour monter là-haut, lui? Oh, il fait le con. No, we are 10. Just only here for. Tiens, viens dans là, Jay, que je te file des balles. Alors, tu m'as dit que t'avais besoin de quoi, toi? 5,45? Alors 5,45 par 39, ouais, par contre je vais les stocker direct. Ouais. Que je vais pas les, là je garde le fusil et Moi j'ai du 9 par 18, mais c'est pareil, ça me sert à rien Parce que pour le moment. toi en gros la calache tu l'as vendue, c'est Ah, ça? je l'ai vendu 6000 direct. Moi je garde le snipe, distance. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire une autre mission? Palo. Oh, Krasno? Ouais, pourquoi pas, ouais. Attends, c'est vers où Krasno? En bas. Ah ouais, putain, bah vas-y. Alors attends, là on fait mine l'air de rien. Ouais, je sors par la droite, je sors par la gauche. Alors c'est où Krasno? J'ai mis un Attends, marqueur. j'entends courir autour. Ouais, c'est normal, ça court un peu. Attends, bouge pas, j'avais mis un marqueur. On est suivi. Non, il dit qu'il reviendra vendredi. Non, il y en a un qui est parti là-bas vers l'est. Prends tout droit dans la forêt. Sans réfléchir, allez hop, 1 km 8. Putain la vache, c'est loin. Ah, ils sont dans les bâtiments là-bas. Ouais, alors attends, parce qu'on a une petite cahute ici qui pourrait servir de point de. Ouais, mais ils vont être cachés, ces connards. Attends, je suis rentré dans la maison. Ouais, je regarde s'il n'y a pas à bouffer autour, moi. Oh putain! Bah déjà il y a de la mune. Parce que déjà comme un con j'ai pas pensé à acheter à bouffer quand j'étais chez le trader. Il y a un Izzet là. Alors je le prends. Ouais, vas-y, prends. Enfin je le prends, ouais. Des pièces de rechange. Les pièces de rechange c'est bien, ça permet de faire des bons crafts. Lesquels? Je l'ignore. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est là-dedans, hein. De toute évidence c'est là-dedans. Ah ouais, bah ouais. Alors soit on Contact. investit. Ah ouais, je vois deux mecs. Écoute, honnêtement, hein, je Ouais. pense que c'est toi qui as raison. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est rusher peut-être le petit bâtiment en briques devant. Ah, attends, j'en vois un bleu, là je pourrais le défoncer, mais bon. Ben oui, celui qui est devant la grille, là, oui, je le vois. Oh, il a pris une balle, il est pas mort. Hein. Oula, il y a des furus qui sortent là. Oh là, ils sont pas contents. Il est mort. Bon, lui, il est dead. Il y en a un autre, il y en a un autre. Attends, faut que je recharge. Moi j'ai peur de ce qui pourrait nous arriver derrière, parce que comme il y a un village. Non, non, non. Oh là là, ça nous rush! Boum! Il a été impacté, mais Ah, il n'est il pas est tombé. dead, il est dead, il est dead. Celui-là, on l'a eu. Derrière le bâtiment brique, de gauche à Ok, droite. ouais, visuel. À gauche.
Oh, il est solide lui. Hein. Impact. Aïe. Traité. Ah, il y en a deux derrière. Je recharge. Dès que j'ai rechargé, je me colle un rack. C'est parti. Ah, j'étais pas bien protégé. Un mort. Attention, il y en a un qui essaye de nous déborder par la droite. La droite, c'est pour toi. Derrière le buisson. Ah, oui, je vois. Oui, je vois. Il y en a un autre plus loin derrière le buisson. Du genre 100 mètres derrière le buisson. Et l'autre. Ok, il y en a un sur le carrefour. Là-bas, je le vois. Ok. Impact, traité. Visuel. Loin à droite. Ouais, ouais, loin. Ouais. Oh là, oui, sur la route, regarde. Oh putain! Arrête de bouger, conne. Un mort, traité d'en bas, ouais. Attention, ouais. 100 mètres derrière le buisson. On en a eu un en même temps, là, je pense. Parce qu'il y en a un que j'ai buté en bleu, là, au pied 100, du truc. 100 mètres derrière le buisson, je vois sa tête, tu sais, sur le bord de la route, là-bas. Toi, tu le vois peut-être pas à cause du buisson. Ouais. Je rush les corps. Hein. Oh non, t'es fou, toi. C'est pas le moment, là. Là, il y en a plein qui vont sortir. Hein. Là, tu vas te faire tuer. Ça ne craint rien. Oh, tes marteaux. Oh! Alors, c'est quoi? C'est du calibre 12, lampe de poche, vas-y. Attention, il y en a un là-bas. Dans ton axe, Jay. 200 mètres. De droite à gauche, de gauche à droite. Gauche, oh là là, dans l'autre sens maintenant, derrière la maison brique. Okay. Mon Dieu. C'est le bordel. Ouais, n'insiste pas. Oh! Ok, il y a un gilet tactique, gilet de chasseur, non? Oh, ça doit être de la bonne mune, ça, oui! Il y en a un derrière le conteneur rouge, Jay, au bâtiment béton. Ok, alors attends, j'hésite un peu à... Ouais, hésite. À rusher le camion. Vas-y, en avant. Vas-y, je reste en cover là pour le moment, parce que je sais qu'il y en a derrière. J'en ai vu au moins deux ou trois, hein, minimum. Je me colle un dernier axe. Tu vois l'entrée. Oh, attention. Il est mort, c'est bon. Bien joué. Ouais, il y en a d'autres, hein. Y en a encore au moins deux derrière, en face de toi, je dirais, à tes 1 heure. Il y en a un qui allait de droite à gauche derrière le bâtiment brique. Je suis au camion. Ouais. Ok. J'essaie de provoquer et de susciter une réaction, mais... J'ai pas de visu majeur. Cours, idiot. Bon, écoute, je vais descendre aussi parce que c'est pas la peine que je reste là. Ouais. T'as fait tous les cadavres? Tous, non. Là, ici, voilà, là, il y en a un que j'ai dézingué. Full camo. Du 5,25, ça c'est bon. Et de l'argent, 48$. Oh là là là. La classe, c'est des roubles. Ça fait à peu près 20 centimes d'euros. Bon, je propose qu'on reste du même côté pour éviter le croiser le tir. Là, ici, il y a bien deux ozos. Là, t'as du fusil. J'ai quand même l'impression qu'on a. Oh, putain, alors des munes de calibre 12, il y en a vraiment un paxon. Hein. Alors, il y a un camion là-dedans. Visiblement, il n'y a pas de personnel hostile. Ah, je crois que j'ai trouvé la fameuse caisse. Ah bon? Ah, ouais. Ça veut dire qu'on... Non, on n'a pas fini, on n'a pas eu le message encore. Ah, je sais bien, mais en tout cas, elle est là. D'accord. Alors, il y a. Ouais. J'aime pas ces portes à l'arrière là. Ok, c'est clair comme bâtiment. Ouais, c'est pas le bâtiment le problème, c'est les alentours. Bon, les rags. Ah, bah je suis glitché. Ah bon? Ah bah merde. Ah ouais, je me suis fermé une porte. Bah voilà. Oh non. Oh non. Attends. Oh putain. Je peux pas me lever, je suis dans le mur. Saute. Je peux pas. Ah ouais, je te vois. Tu connais la méthode Daisy des Koroko? Je vais quitter la partie là? Quitter le serveur. Tu vas revenir, hein. Ça y est, je te vois, t'es à 260 mètres. Ah bon? Ouais, ouais. Et bah voilà. Et ça se rapproche.
Alors, je suis dans les bois. Où est-ce que... Je suis dans le bâtiment, moi, toujours. Ok. Elle est où, d'ailleurs, la caisse? Je la vois même pas, moi. Comment on fait pour prendre de l'altitude? Oh, putain! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est quoi qui tire? Putain, ça tire sur moi! Ok, reste à couvert, gagne du temps. Je vais, j'arrive. Pas de panique. Je panique pas, je me mets à l'abri. Ouais, mets-toi... Oh, putain! Oh mon Dieu. Vite, recharge, vite, vite. Traité 1, ils sont à l'extérieur, ils sont arrivés par dehors. Ok, je les entends. Il y en avait deux, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort et l'autre qui s'est barré, je ne sais où. Derrière. T'attends. Ok, j'ai du visuel, ouais, entre guillemets. Ah, c'est, le visuel est particulièrement dégradé. Il a l'air de retourner vers là où on est rentré, nous. Mais il m'énerve! Surtout temporise, surtout crève pas. Il est derrière, il est derrière. Il est mort, c'est bon, j'en ai un, il est mort. Ok, nice. Quoi, j'ai plus de balles? C'est quoi ces espèces de baskets de clochard qu'il a, lui? Cool! Le premier que j'ai zigouillé, lui, il avait ce qu'il fallait. Ouais. Je rentre dans le bâtiment. Ouais, ouais, je suis dedans. Ah, les pantalons de jogging, ça vaut nib, hein, par contre. Ok, lui il a rien. Je suis pas sûr qu'ils soient tous morts parce qu'on n'a pas eu le message comme quoi la mission était finie. Hein. Ah ouais, bah là c'est clair. Ah t'es là. Ouais. Je pense qu'il faut prendre d'assaut le bâtiment en face là. Par contre j'ai plus de balles de flingue. Alors attends, je vais me soigner et je vais essayer de looter un gars qui aurait du TT 34 là ou TT je sais plus combien. Je prends d'assaut le bâtiment. T'es fou toi. Lui il a que dalle. Toi t'as quoi abruti? Du 12? Pas du tout. Ok c'est vide. Y'a rien. Oh. Même rien à ramasser. Ok donc ils sont ailleurs. Ici. Ouais il reste plus que là. Il y a plusieurs entrées. Là et autour. Hein. Oh et dedans. Ah oui. Allez c'est fait. Ah c'est non. Fait. Si c'est fait, c'est fait. Bon attention maintenant par contre. Ah y'a une deuxième caisse. Ouais y'a une... Bah c'est qu'il y en avait déjà une première. Bah oui, dans l'autre garage où on était en tout début y avait déjà. Mais le problème c'est que ces caisses elles étaient verrouillées, je sais pas quoi là. Et elles le sont toujours d'ailleurs. Ah bon? Ah ouais. Alors fait y'a de la thune, y'a une calache. Bon écoute je vais virer le 12 qui nous emmerde. C'est quoi ce bruit là putain? Me voilà là, il a quoi lui ce con? Rien à part des vêtements. Veste militaire si t'as besoin. Est-ce qu'ils ont donné de la thune ce coup-ci? Ouais, j'ai pris un petit peu, 8000. Du 9 j'en ai pas besoin, du 12 j'en ai pas besoin. Veste militaire, je vois pas trop ce que ça va. Ça se vend, ça se vend, ça se vend. Prends la cagoule, tu la vends aussi. Écoute, les balles, je vais les prendre, ça complétera. Y a une autre caisse non? Bah non. Bon, on décarre alors, on file. Avant qu'il y ait un petit malin qui vienne nous camper, décamper. T'as. Putain, j'ai plus de balles pour mon truc. T'as. Je me méfie quand même là, tu sais. Bon, bah voilà, mis à part les deux oiseaux, ça m'étonne quand même parce que moi, quand il y a eu la bagarre, je voyais des gens courir par là. Ouais. Ouais. Mission épique inaboutie. Ah, oh, bah si c'est épique. Ah, les épiques, elles doivent être sévères. Ah ouais, je pense. Épique, c'est quoi? C'est les 3 galons là? Ouais, c'est de plus en plus dur. Ouais. Avec plus en plus de bottes et qui tirent de mieux en mieux. En vrai, honnêtement, je pense que 2 on peut le faire. Mais il faut partir avec plus de mun là. Ah, après, on fait les faciles. Après, faut faire les moyennes. Et après, oui, après, faut partir avec plus de mun. Du meilleur pansement aussi. Parce que ceux-là, je dis pas de conneries, mais je crois que le Rax il te ramène au devant sur la route. Ah oui, visu. Attends, tire pas. Hein. Non, non. On va essayer de coordonner, tu tires à droite. Par contre si on se fait engager là on a faux, hein. On a pas d'abri. Hein. Ouais t'inquiète. Tu shootes le mec à droite? Ouais vas-y. Shoot le mec à gauche. Tu me dis quand t'es prêt? Vas-y, 3, 2, 1,
feu. Ouf. Celui de gauche est tombé, c'est ouais. Bon. Ouais, et pas celui de droite, je l'ai touché, mais. Merde, raté. Impact. Où il est l'autre con? Traité. Mort, c'est bon aussi. Allez hop, ça c'est fait. Peut-être, s'ils sont pas plus que ça, ça va. Ouais, on décide. Crois-le ou non, j'ai plus de mun en partant qu'en arrivant. Non, moi j'en ai pas trop, moi. Enfin, c'est des mines de pistolet que j'ai plus, moi, c'est ça le problème. C'est quoi ça? Il y a une vache canée sur la route, rien ce bordel. Alors attends, parce qu'il y a deux mecs que j'ai zigouillés. Il y en a un, il était par là. Moi j'en ai tué un sur la gauche. Alors il avait un petit Makarov, écoute, hein, je vais le prendre, à défaut de... ça se vend, on vend tout. Sac à dos improvisé, non, non, mais même les bottes. Ah bah d'accord, c'est des bottes alors, ok, bah d'accord. Ah oh, putain, par contre, moi le mien que j'ai cané là pour le retrouver dans la prairie, démerde-toi, toi. Oh, c'est toi là-bas? Oui, c'est moi qui cours et je saute. Oui, oui, c'est toi. Oh ouais, putain. Tout à fait, mais par contre, je retrouve plus les cadavres. Enfin, le cadavre. Pourquoi il y a une petite étoile dessus? Parce qu'il y a un hunting scope! Ouais, en fait, à chaque fois qu'il y a une étoile, Jay, faut cliquer et en fait, ils ont du truc dans l'inventaire. Oh là là, mais c'est énorme! En plus, j'ai une canette de soda. Voilà, ouais, mais du hunting scope, moi j'en ai d'avance, hein, là. Après, bon, ça se vend bien. Ouais, l'IZH, je vais le jeter. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Je peux pas jeter l'IZH? Si, clique droit à jeter. Ouais, mais il ne le jette pas. Ah, bah ça y est, là il l'a fait. Mais putain, mais je l'ai fait au moins 3 fois avant. Prends une arme qui vaut plus cher, ouais, à vendre. Bon, j'ai pas trouvé le troisième cadavre, je sais plus où il est. On va le trouver, on s'y met à deux. Non, mais il était décalé sur la gauche, là, je sais pas ce qu'il foutait. Par ici, ouais, je sais pas où. Bon, après, faut pas qu'on bloque sur un pauvre cadavre qu'il va nous donner. Il m'a semblé effectivement que tu l'as. Le peu que j'ai vu, je crois que le mec partait sur la gauche. Il partait sur la gauche là, puis après il est ouais, après il a décédé, mais je me souviens plus à quelle distance. Et puis si ça se trouve, il a rien sur lui. Bon après c'est notre route, hein. On va continuer d'avancer par là. Mais... Oh, fait chier. Allez, c'est con quoi. Bon c'est pas grave, tant pis, il est mort pour rien, on va dire. Tant pis pour lui. Ok, bon bah on va aller vendre ça. On aura fait le pactole pour aujourd'hui. Non, c'est vrai que franchement... Prochainement, tu sais quoi, on regardera pour de l'indus, pour aller trouver des outils. Et puis on pourra, au pire, on pourrait commencer de poser une base, mais tu sais, sans la fermer à clé. Mm-hmm. Parce non, que mais le... on commence à faire du mur, quoi. Voilà, et le jour où on a la thune pour poser le code lock, on arrive et on pose le code lock, quoi. Bon, faut qu'on évite de tomber sur des gens là. Tu m'étonnes. Alors, est-ce que je garde ma calache? Elle est bien la calache pour faire du corps à corps avec eux, mais elle vaut du blé. C'est quand même pas mal en vrai, de faire des petites cibles comme ça. Au moins, on ramène 4 merdes, mais on les ramène. Ouais. Tandis que des objectifs un peu plus chiadés, à mon avis, on ferait beaucoup d'efforts, on a beaucoup d'énergie. Et pour avoir beaucoup de concurrents, je pense. Ouais, mais par contre, je te dis, quand il faudra qu'on fasse de l'indus, on va pas être les seuls à vouloir faire de l'indus. Hein, parce que tout le monde a besoin de haches, de marteaux, de clous. Et en plus, généralement, dans l'indus, il y a, bah, tu sais, comme le premier bled où on est passé avec les maisons en briques. Hein, y arrive du bot. Hein. Mais bon, c'est amusant. Alors. C'est toujours les mêmes. Clac. Mais oui, c'est toujours les mêmes. Via Vrigitibé. Ça, on va stocker. Parce que lui, il veut pas me les acheter. Les pièces de rechange. J'aurais bien envie de les stocker, les pièces de rechange, parce que je crois que ça sert à faire des code lock. On va les garder. Ça, c'est quoi? Du 9 par 19, tout le monde s'en fout. Ça. En vrai, la hunting scope, j'hésite à la garder. Vends-la. Ah, mais t'en as pas une sur ton fusil? Si. Ah, mais vends-la. Moi, je la vends, c'est 3000. Bah ouais, mais je me dis le jour où j'en ai besoin, si on en a plus, tu vois, autant que je la mette sur le fusil, au stock. On en retrouvera sans problème. Ouais, c'est vrai. T'inquiète. Privilégions la tunasse. Bah ouais, les talbins avant tout. Donc là, j'ai en tout et pour tout en banque, j'ai 32 000 moi. Et clac, ça me fait un total de 17 800 balles. Donc moi j'ai 34 000, donc ça nous fait 50 000 on va dire en gros, c'est ça? Un truc comme ça, ouais. Donc on est déjà à moitié. Écoute, putain, est-ce que je vends la calache? Putain. Ouais, je vais la vendre parce que sinon je pourrais pas en ramener une.
Ça m'ennuie, mais bon, j'ai pas le choix. Par contre, avant de vendre, pense à les décharger, Jay, les armes. Comme ça, tu récupères... Tu sais, tu récupères les balles pour la prochaine fois. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, camarade. Hello. Comment ça va? Oh. Il est riche, le petit gars. Il achète des sacs à dos et tout, là. Alors, pour faire, Jay, pour faire une serrure électronique, il faut 2 piles, 4 composants électroniques, 5 pièces de rechange et un kit de réparation électronique. Je crois qu'on aura plus vite fait de faire 100 000. Vraiment dingue. Bon, bah, les petits camarades, on se retrouve à nouveau chez le trader du sud avec Jay. On a fait une petite mission ou deux tranquille. Tout va bien. On a du blé. On est à peu près à la moitié de ce qu'il nous faudrait pour faire. Pour acheter notre code lock. Et ben, quand on aura la thune, on se trouvera un endroit et on commencera de bâtir. Donc, prochain épisode, je pense qu'on va peut-être lâcher un peu la grosse bagarre pour partir sur la petite bagarre dans les trucs Indus. On verra comment ça se dordille. En attendant, portez-vous bien, faites gaffe, soyez prudents et méfiez-vous des mecs qui achètent des sacs à dos noirs. Ça pue l'embrouille. Comment tu t'appelles? Oh là là, c'est Vladons Argentina. Ouais, il a pas l'air d'avoir envie de parler avec nous. Tant pis, à bientôt les gars.